C'est vous qui m'avez téléphoné. Oui, vous êtes Madame de Versailles. En effet. Oh, entrez donc, mon cher ami. Nous serons tranquilles aujourd'hui. C'est la journée repos de l'employé de maison. Pas d'oreilles indiscrètes. Mettez-vous à votre aise. Du Charles de Berzac, je parie. C'est exact. C'est un cadeau de votre mari. Je veux dire, le genre de cadeau qu'il fait à ses clientes. Car porter du Charles de Berzac, n'est-ce pas un véritable présent pour nous les femmes? Vous êtes adorable, ma petite. Et Charles serait ravi si vous entendez. C'est exactement sa conception. Il me dit souvent, ma chère, je voudrais que toutes les femmes qui achètent mes vêtements oublient qu'elles sont des clientes et deviennent des amies. Je voudrais être là, dans chaque cabine d'essayage, pour déposer sur les douces épaules les tissus à l'étroit. C'est un poète. Un poète et un polisson. Car s'il se trouvait dans chaque cabine d'essayage, il ne se contenterait sans doute pas de son travail de couturier, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, Madame de Versailles. Tu veux dire que c'est carrément nul, Louis? À la lecture, je ne trouvais pas ça d'infameux, mais à jouer, c'est une catastrophe. Et encore, ne te plains pas, ton personnage n'est pas trop mauvais. Tu plaisantes, elle est complètement nulle, cette Arlette. Comment veux-tu donner consistance à un rôle pareil? Tu as lu la pièce? La maîtresse du grand couturier parle comme les héroïnes de romans photo. C'est peut-être fait exprès. Tu parles, il n'y a aucune distance dans ce texte, il se prend très au sérieux. Et au niveau de la présence sur scène, je figure au premier acte. Puis je disparais pendant que tu te disputes avec ton mari. Et je ne reviens que dans la dernière partie pour tuer ce cher de Bersac, car j'ai appris entre-temps qu'il avait une liaison avec un homosexuel sud-américain, de surcroît fils de sa première femme. Non, de la seconde femme. De la seconde? Mais c'est toi alors? Oui, enfin, je crois. C'est bien ça, je suis la seconde femme. Tu en es sûre? Écoute. Page 21. Madame de Bersac. Charles, je voudrais savoir où passe tout votre argent, Charles. Mais ma chère, vous savez bien que Mathilde... Mathilde, c'est Mathilde la première femme, l'héritière des usines Fontenelle. Celle qui le trompe avec le jardinier. Je savais bien que Mathilde a obtenu une pension alimentaire exorbitante. Après Mathilde, c'est moi. Je n'ai pas compris cela. Je croyais que c'était toi avec le jardinier. Tu plaisantes? Pas du tout mon type, le jardinier. Tu es certaine qu'on a lu le même texte? Gérard? Gérard! Bonjour. Bonsoir, vous n'avez pas vu Gérard? Gérard ne vient pas ce soir. Je suis le nouveau, Michel. Ah, bonsoir Michel. Élise, je joue Arlette. Catherine, je joue Madame de Bersac. Je joue... Gustave. Gustave? Gustave, oui. Le chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur. Me permettez, moi je joue le chauffeur. C'est un petit rôle, certes, mais je tiens à l'interpréter correctement. Ma première réplique, d'ailleurs, quand le couturier... Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur de Bersac. Exact. Quand Monsieur de Bersac a eu une dispute avec vous, Élise? Avec moi? Oui, enfin avec Arlette. Ah oui, Stanseth. Voilà. Je rentre à ce moment-là et je dis... Monsieur de Bersac, la malchance nous poursuit. La voiture est en panne. Monsieur de Bersac, la malchance nous poursuit. La voiture est en panne. Oui.
Et vous avez beaucoup d'autres répliques de cette qualité. C'est à mon goût, bien sûr. Mais il y en a une assez drôle quand je rentre dans la chambre et que je vous trouve sous le lit. Sous le lit? Dieu merci, je ne suis jamais sous le lit. Dedans, oui, souvent, mais dessous, non. J'ai échappé à cela cette fois. Vous devez vous tromper. Parce que moi, je rentre dans la chambre, enfin... En fait, je sors du placard. Vous étiez dans le placard? Mais bien sûr, pour échapper à Pedro, le fils homosexuel. Je sors donc du placard. Et je dis... Madame de Bersac, laissez l'amoureux des voitures vous dire que vous avez un beau châssis. On ne fera pas dire représentation. La critique va nous massacrer. Et pour une fois, elle aura raison. Par ailleurs, je ne vois pas qui est ce Pedro. C'est mon fils. Et le mien? Si, si. Pedro, c'est avec moi que vous l'avez eu. Juste avant votre mariage avec le jockey. Tu as été mariée avec un jockey? Félicitations! Même que ce n'était pas le mauvais cheval. Bravo! C'est du neuf! C'est d'un comique! Vous n'aimez pas? C'est ma dernière réplique. Quand Volstruffel, le colonel allemand, celui qui s'est enfui au Chili, me dit de demander d'aider Pedro à faire disparaître le corps de Bob. Bob? Le jockey. Le jockey. Bob, c'est le jockey, voyons. Eh bien, quand nous jetons le corps de Bob dans le marigot infesté d'alligators, je me retourne vers le public. Et je dis... Finalement, ce n'était pas le mauvais cheval, ce jockey. Pas mal, hein? J'ai du mal à suivre. Et moi donc? Encore une fois, ce n'est pas que j'ai un très grand rôle, mais j'attends avec impatience la scène de l'explosion. La scène de l'explosion? Racontez-moi ça. Mais vous savez, quand Roselyne... Roselyne? L'employée de maison. Ah oui, cette chère Roselyne, bien sûr, où avais-je la tête? Bien, quand Roselyne oublie de fermer le gaz dans votre villa d'Acapulco, et que votre amant de l'époque... Bob? Mais Bob, c'est votre mari. Funstruffel, alors? Mais Funstruffel n'a jamais été votre amant. Le jockey, alors? Mais le jockey, c'est Bob. Qui, mon Dieu, le cheval? Oh! Madame de Bersac! Enfin, Catherine! Mais venez-en au fait, à la fin! Qui est mon amant d'Acapulco? Mais Silviano, le frère de Pedro. Mon fils. Quelle horreur! Mais enfin... Quand je dis le frère, c'est le demi-frère. Celui que votre premier mari a eu avec Jordana, la femme du frère de votre amie d'enfance, Henriette, celle qui s'est suicidée en Norvège. Mais bien entendu, c'est limpide. Et que ne fait-il comme grosse bêtise, ce Silviano? Il pose sa bombe à retardement. Parce qu'il est terroriste. Vous vous souvenez? Naturellement. Cela ne nous a pas échappé. Toujours, il pose sa bombe à retardement. Ou il l'oublie. Ce n'est pas très clair dans le texte. C'est surprenant, une pièce si maîtrisée. Toujours est-il que la bombe explose dans la cuisine. Et comme Rosine avait oublié de fermer le gaz, c'est toute la villa dans un premier temps. Puis tout le quartier qui saute. Tout le quartier? Oui. 2500 morts. C'est étonnant d'ailleurs. Ça m'embête. Quoi donc? Ce petit bruit de moteur. Elle allait bien jusqu'à présent, mais là, depuis quelques jours, il y a indéniablement un problème. Qu'est-ce que vous racontez? Mais je vous dis que je suis inquiet. Vous savez, avec ces modèles haut de gamme bourrés d'électronique, il faut tout changer au moindre incident. Et le temps de faire venir les pièces... Mais enfin, Michel! Gustave! Je croyais que c'était le chauffeur, Gustave! Naturellement. Gustave, le chauffeur... C'est moi, madame, à votre service. Arrêtez vos bêtises, Michel, ce n'est pas drôle. Excusez-moi, mademoiselle Arlette, mais je suis responsable de ce véhicule. Et cessez de m'appeler Michel. C'est agaçant à la fin. Écoutez-moi, une seconde, s'il vous plaît. Bien, madame. Je ne suis pas madame de Bersac. Comme madame voudra. Je m'appelle Catherine.
Catherine. Je note. Catherine. Bien, madame, c'est enregistré. Et où dois-je vous conduire ce soir? Rendez-vous galant. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas madame de Bersac, je dois jouer madame de Bersac, certes. Mais pour l'instant, je suis Catherine. Catherine, la comédienne qui doit jouer madame de Bersac. Et vous, vous êtes Michel et vous n'êtes pas mon chauffeur. Enfin, si, vous êtes peut-être mon chauffeur. Mais dans la pièce, pas dans la vie. Dans la vie, vous êtes Gustave, Michel. Et vous êtes censé jouer avec moi un chauffeur, certes, mais ce n'est pas une raison pour continuer à se conduire comme un chauffeur quand vous ne le jouez pas, le chauffeur. Aujourd'hui, je joue Michel. Oui, d'accord. Je vous écoute, madame. Et puisque je vous dis que je ne suis pas madame Versailles, cessez de m'appeler madame à la fin. Bien, madame, mais j'aurais difficilement l'habitude... J'aurais beaucoup de mal d'appeler madame autrement que madame... l'habitude, madame. Oh, il est exaspérant. Je ne peux plus le voir. Je me retire donc, madame. Je serai dans la voiture si madame a besoin de moi. Complètement givré, le collègue. Pas que vous êtes la nouvelle maîtresse de Marie. Le coup du chemisier en soi, il le fait à toutes. Et méfiez-vous lorsqu'il vous offrira l'ensemble beige de sa célèbre collection nuit de Paris. C'est que votre temps sera passé. Je sais, vous êtes toutes les mêmes. Et vous vous étonnez toujours de mon apparente indifférence. Mais je vais vous révéler un secret. Un événement a changé ma vie. Depuis, je ne suis plus tout à fait la même. Vous devinez sans doute à quoi je fais allusion. Mais... l'explosion d'Acapulco, ma petite. L'explosion. Parfois, j'entends encore le cri des blessés la nuit. Insoutenable. Mais enfin, je ne vous raccompagne pas, ma chère. Ça alors? Non mais vous avez vu? Vous avez entendu? C'est complètement dingue, non? Jamais je n'aurais pu penser... jamais je n'aurais pu penser que cette vieille faute de Bersac devinerait aussi vite que j'étais la maîtresse de Charles. Mais ce qu'elle ignore, par contre, c'est ma véritable identité. Je me présente, Marie-Pilar von Struffel. Je suis la nièce de l'Allemand réfugié au Chili, celui qui a fait disparaître le pauvre Bob, aidé par Pedro et Gustave. D'ailleurs, je suis secrètement mariée avec Gustave. Et il s'est tout récemment rendu compte que son véritable père était Bob. Et que de Bersac et son épouse avaient mis au point son assassinat avec mon oncle von Struffel. D'où l'explosion d'Acapulco! Et oui, parce qu'en fait, Silviano, celui qui a posé la bombe, et Roselyne, l'employée de maison, étaient de mèche. Ce qui est logique quand on pose des bombes. Et elle voulait montrer à Pedro, enfin bref, ce serait un peu trop long à tout vous expliquer. Une dernière recommandation. Vous voyez la voiture garée en bas dans la rue. C'est un modèle confortable, mais le non, mais l'embrayage ne vaut rien. Bonsoir.